Super Kids. Vous devez être Thomas Wolfe. Je préfère me faire rejeter par courrier, mais je voulais rencontrer l'homme qui a découvert Hemingway, F. Scott Fitzgerald, et a reconnu ses génies. Tous ces fumiers d'éditeurs de New York détestent mon livre. Monsieur Wolfe, nous souhaitons publier votre roman. Max, je te présente Madame Bernstein. Monsieur Perkins. C'est la première à m'avoir dit que mon écriture avait la moindre valeur. On te qualifie de génie, prends garde. Maintenant que je suis une vedette chez Scribner, j'ai mérité de mener la grande vie. Max nous a parlé d'un nouveau roman. Il parle de l'Amérique, tout le continent. J'ai mon nouveau roman. Apportez-le, messieurs. Le voilà. On peut y arriver. En combien de temps? 9 mois, si tu résistes à la tentation d'ajouter un mot. Je dois pouvoir en ajouter. Il fait déjà 5000 pages, ce manuscrit. Message reçu. Alors, on coupe. Tu travailles tous les soirs depuis 2 ans. Tu imagines ce que c'est de se retrouver dans un appartement vide tous les soirs? Je l'ai perdu. Il est à votre mari. Tes filles ont besoin de leur père. C'est mon métier, je dois le faire. On a coupé qu'une centaine de pages en 2 ans. Je te donne des mots forgés avec mes tripes. Tu ferais pas ça à Hemingway, à Fitzgerald? C'est bon. Pour qui tu te prends là? T'as vraiment la truie de vivre? Il y a d'autres façons de vivre. Ceux qui t'aiment sont maudits parce que malgré tes millions de mots flamboyants, tu n'as absolument aucune idée du sens du mot vivre. Max est persuadé de m'avoir créé. Il m'a estropié. Il a déformé mon œuvre. Il a réalisé ton rêve le plus fou. Il t'a offert une carrière. Regarde ce que tu as fait de moi. Tu m'as fait du mal. Je ne peux pas tourner le dos à mon travail. Tu dois choisir, Tom. Maintenant. C'est ce qui empêche tous les éditeurs de fermer l'œil. Rendons-nous les romans meilleurs ou simplement différent. De toute ma vie, avant notre rencontre, je n'avais jamais eu d'amis. Tu es très loin d'imaginer ce que j'ai traversé pour pouvoir te regarder et ressentir rien du tout. Un écrivain comme Tom, je n'en aurai qu'un dans ma vie. Tes 5 filles n'ont qu'un père qui n'a qu'une vie. Je t'ai apporté un paragraphe à ajouter au roman. Oh, il est non, si tu ajoutes encore des paragraphes, on est fichu. Ce roman est dédié à Maxwell Evarts Perkins. L'auteur ose espérer que ce roman s'avérera digne de lui.